Mais, mon ami, cette photo-là, ça vient ou pas? Oh, pardon, pardon. Décalez-vous un peu à droite. Ok, c'est bon. Merci. Comme je vous disais tout à l'heure, nos collections sont assez diversifiées. Elles sont issues de toutes les... Bon, petit, je viens récupérer la photo tout à l'heure, d'accord? Il n'y a pas de souci. Et d'autres viennent très souvent faire leurs recherches chez nous. Tenez. Ici, par exemple, vous avez les échantillons de canaries que nous retrouverons sous plusieurs formes dans la grande salle. Généralement, les rois de l'Ouest les utilisent pour conserver leur affia destinée à bénir le peuple. Il se dit, et il est souvent arrivé que pendant la bénédiction, le canari contenant leur affia se brise. Cela est signe d'un grand malheur qui se répandra dans le village. Regardez, pour commencer, voici... Oh non, pas de photos s'il vous plaît. Ah non, pour vous, ce sera gratuit. Hein. Non, merci. Je ne suis pas là pour ça, ok? Je vais visiter le musée en paix. Laissez-moi. Une visite du musée sans souvenir... J'ai dit pas de photo. Pas... Excusez-moi de vous avoir pris en photo. Mais c'est bon là-haut. Vous n'avez rien compris? Je veux être seule. Ah ben, je demandais juste les excuses. Et puis quoi? Espérez que je vous invite à ma table? Ok, c'est bon là, j'ai compris. Asseyez-vous. Pardon? S'il vous plaît, monsieur, venez vous asseoir. Excusez-moi pour tout à l'heure. Non, non, c'est moi qui m'excuse. Si, si, j'y tiens. Vous m'avez prise en photo tout à l'heure. Et vous avez proposé gentiment de me l'offrir. Et je suis devenue désagréable. Non, c'est à moi de m'excuser. Je m'appelle Valérie. Moi, c'est Norbert. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Ouais. Et vous travaillez ici depuis longtemps? Depuis... Un instant. Qu'est-ce que vous buvez? Pardon? C'est pas normal que vous m'offrez à boire. Ah bon? Pourquoi? Il y a une norme pour offrir à boire. Et je pense que en temps normal, en tant que gentleman, c'est à moi de le faire. Ah bon? Vous êtes un gentleman. C'est pas exactement dans le sens que vous croyez. Si, si, j'ai bien entendu. Vous avez dit que vous êtes un gentleman. Ben, pourquoi pas? Ma foi, les manières d'un gentleman ne seraient pas celles-ci. Ben, disons que je suis un apprenti gentleman. Et que propose l'apprenti gentleman? Un autre lieu beaucoup plus différent de celui-ci. Je ne m'attendais pas. Je ne sais pas. Un endroit où nous pourrions prendre de l'air en écoutant de la musique. Vous vous égarez. Même un apprenti gentleman ferait les choses autrement. Je m'attendais à ce que vous m'invitiez dans un petit hôtel. Le genre de lieu idéal aux effets
expéditif, simple et discret. Que vous me racontiez deux ou trois petites blagues. Vous savez cette expression, la femme qui rit, la femme qui sourit, la femme qui rit est déjà dans un lit. Très gentleman, celui qui l'a dit. Et là, déjà bien installé, que vous me fassiez l'amour copieusement toute la nuit. Encore, encore et encore. Puisque toutes les femmes ont besoin d'amour, il faut en profiter. Rendez-moi un service. Je veux ce type de proposition. Allons-y. Vous hésitez? Quoi? Ce que je dis ne vous intéresse pas? Mais c'est que... Que? Vous ne voulez pas coucher avec moi. Ça se voit que je vous attire. Excusez-moi, mais... Je fais pas les choses comme ça. C'est pas mon genre. Je ne suis pas votre genre. Si, si, en fait... C'est que... Ça va trop vite. Les choses vont vite. D'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Il serait préférable qu'on se connaisse d'abord avant de... Et quand vous me connaîtrez, vous penserez qu'on couchera ensemble? Probablement, on aura eu le temps de s'apprécier. Ou de se détester. Pourquoi vous riez? Le café a une très bonne odeur. De loin, il vous attire. Mais quand vous le buvez, il est amer. Les hommes veulent toujours atténuer leur taux d'amertume avec les bonnes manières, une pseudo-gentillesse, une attention. Mais vous ne pouvez pas changer la nature. Vous êtes comme ça, amer. Tout à l'heure, là, vous étiez prêt à m'amener je ne sais où pour jouer je ne sais quoi. Mais dès que je vous ai donné l'issue de votre charabia, vous devenez raisonnable. S'il vous plaît, je ne sais pas ce que vous avez exactement comme problème, mais je crois que vous vous trompez de personne. Je ne suis pas comme ça. Vous croyez? Je peux vous l'assurer. C'est bien ce que je pensais. S'il vous plaît. Vous êtes une femme bien, Valérie. Je peux avoir la note, s'il vous plaît. Cousin, mets la facture sur ma note. Qu'est-ce que vous faites? Je veux vous offrir ce café. Écoutez, je vous fais une proposition. Je paye ma note et vous me faites une photo. Ok. Attendez, ce n'est qu'un sac. Je voulais juste le poser à côté pour faire une belle photo. La photo serait plus belle sans sac. Vous la faites, cette photo, ou pas? Ok. Souriez.
Un instant. Non, pourquoi elle a fait ça?